أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وزدت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui, de par sa grâce et sa miséricorde, nous accorde ce grand jour qui est le jour du vendredi, qui est le jour où le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, il dit, celui qui exploite positivement le jour du vendredi, Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner tous ses péchés de la semaine, c'est-à-dire du vendredi au vendredi. Les péchés que nous avons pu commettre à partir du vendredi passé jusqu'à ce vendredi, nous allons aujourd'hui nous entretenir au sujet des actions que le musulman doit poser et à travers ces actions, Allah subhanahu wa ta'ala va nous pardonner tous les péchés entre les deux vendredis. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Tout d'abord, avant de commencer, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accorde sa miséricorde infinie et à tous nos défunts, et qu'il accorde la santé à tous nos malades, et qu'il donne la solution à tous ceux qui sont dans les angoisses. Amin, ya Allah. Chers frères, chères sœurs, chers membres du groupe Mieux comprendre l'Islam, il faut savoir, comme je l'avais dit, la religion musulmane ne se limite pas au mois du Ramadan. Et la religion musulmane, nous avons toujours des astuces qui peuvent nous permettre d'exceller dans notre foi. À cet effet, le prophète, alayhi salatu wassalam, pour le jour du vendredi, il nous donne des recommandations que le musulman doit essayer de mettre en application afin que Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa bonté infinie, lui pardonne les péchés de la semaine. Parmi ces actions, la première des actions, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit le jour du vendredi, ce que le musulman doit faire comme des actions qui sont recommandées, c'est de faire la grande ablution. La grande ablution du vendredi, bien vrai que ce n'est pas obligatoire, mais le prophète alayhi salatu wassalam nous recommande fortement. Parce que sur les spirituels, la grande ablution, la manière dont l'eau purifie nos corps des saletés et des souillures, c'est cette même manière de façon interne que la grande ablution purifie notre âme. Donc, ce grand jour qui est un jour du vendredi, le prophète alayhi salatu wassalam, il a toujours recommandé aux musulmans de bien vouloir faire la grande ablution. Voilà pourquoi, Inch'Allah, dans les jours à venir, nous allons essayer de nous étaler sur les règles juridiques par la grâce de Dieu. Mais chaque musulman, chacun, chacune d'entre nous, on doit savoir comment faire la grande ablution. Et si vous êtes quelqu'un qui va au travail, déjà au petit matin, avant de vous laver, ou bien après avoir vous lavé avec votre savon que vous voulez, faites la grande ablution avec l'intention de la grande ablution du vendredi. Ça veut dire, Allah, je vais faire ma grande ablution du vendredi. Purifie mon âme, tout comme tu purifies mon corps avec cette eau. Donc, lorsque vous faites ça, vous faites la grande ablution. Et parmi les actions qui sont recommandées aussi le vendredi, c'est la propreté. Le musulman doit être propre. Ça veut dire, déjà, le vendredi doit être préparé. Les vêtements que je dois porter le vendredi, je dois faire tout de mon effort pour que ces vêtements ne soient pas des vêtements quand on voit on n'a aucune considération. Si vous avez les moyens, il faut s'habiller proprement. C'est vrai, d'aucuns, pour le travail qu'ils exercent, c'est vrai. Mais si vous avez la possibilité d'amener avec vous ou à votre lieu de travail, votre habit que vous allez porter pour le vendredi, alhamdoulilah, c'est une bonne chose. Mais si cela ne vous, si votre situation ne vous le permet pas,
C'est pas grave, mais il faut savoir que le musulman doit être habillé proprement le vendredi. Et ensuite, le musulman doit utiliser tout ce qui peut le rendre, c'est-à-dire le faire sentir bon le vendredi. Il ne faudra pas que le vendredi, lorsque vous arrivez à la mosquée et vous arrêtez à côté d'un fidèle, il serait obligé d'être gêné ou bien de souvent attraper le nez parce que vous dégagez des odeurs qui ne plaisent pas. Donc le musulman, avant d'aller à la mosquée le vendredi, non seulement il faut faire la grande ablution, comme nous l'avons dit, de deux, il faut soigner sa tenue, et de trois, il faut utiliser des parfums qui peuvent faire que vous allez sentir bien. Ça fait partie des recommandations du prophète alayhi salatu wassalam le vendredi. Et lorsque vous arrivez sur les lieux de prière, après vos deux rakats de salutation de la mosquée, si vous savez lire le Saint-Coran, il faut automatiquement s'asseoir et lire le Saint-Coran. Et parmi les sourates qui sont beaucoup recommandées, il y a la sourate Al-Kahf. Donc si vous connaissez cette sourate, vous lisez cette sourate. Si vous ne la connaissez pas, les autres sourates que vous connaissez, vous lisez ces sourates. Et en plus de cela, si vous ne savez pas, vous pouvez essayer de faire des zikr. Aksafrallah, aksafrallah. Et surtout la prière sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc ce sont des actions qui sont beaucoup recommandées le vendredi. Et ensuite, le vendredi, être attentif avec l'imam lorsque l'imam fait le sermon. C'est très important. Mais aujourd'hui, nous voyons des fidèles qui calculent l'heure. L'imam commence le sermon à partir de midi 30. Donc, eux, ils s'amènent vers midi 55 parce qu'ils savent que la prière va commencer à 13h00 ou bien dans certains lieux, la prière va commencer à 13h15. Donc, ils viennent à 13h10. Ce n'est pas une bonne chose. Pour que nous puissions mériter de tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a promis pour le vendredi, il va falloir être à la mosquée avant même l'imam et écouter attentivement le sermon parce que c'est très important. Et aussi, il faut accomplir la prière avec l'imam dans le calme et dans le respect. Il y a certaines personnes, ils vont à la mosquée. Au moment où l'imam est en train de faire le sermon, ils sont en train de causer avec d'autres ou bien ils sont en train de faire des selfies. Non, ça ne se fait pas lorsque l'imam fait le sermon. Il faut être calme, il faut écouter attentivement l'imam et enfin, il faut accomplir la prière avec l'imam. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous garantit, celui qui respecte ce que nous venons de dire, par la grâce de Dieu, tous les péchés que vous avez eus entre ce vendredi et le vendredi passé, Allah subhanahu wa ta'ala va vous pardonner vos péchés. Qu'Allah nous pardonne nos péchés. Et pour terminer, parmi les actions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande, c'est les actions de bienfaisance. Voilà pourquoi nous voyons que nos parents, très souvent le vendredi, ils font des sacrifices. C'est important, il faut partager le vendredi. Il faut aussi, à la maison, si on a les moyens, il faut faire un plat spécial pour le vendredi. Pour que chacun sache que nous sommes à un grand jour. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde les mérites du vendredi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne à tous nos péchés et qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.